faire une petite carte ensemble. Et pour cette carte, je vais donc essayer ceci. Donc les stickers marbre, imitation marbre. Je vais voir, donc j'ai pas encore essayé ce papier. Je vais voir ce que ça donne à la découpe en passant à la Big Shot. Voir si ça passe. Hein. Bon, ça me paraît fin, mais bon, on verra. Donc, je vais utiliser un dies comme ceci, un love. On va commencer petit. Un fond de carte rose, puisque je vais utiliser la page, voilà, celle-ci. Et ensuite, je verrai. Voilà, comme d'habitude, hein, je fais mes cartes à l'arrache. Allez, on va commencer. Ben, on va commencer par la découpe du dies. Je vous bascule. Alors, hop, voilà. Donc, je vais prendre une feuille. Et on va déjà découper le dies pour voir ce que ça donne. On va prendre la Big Shot. Mettre un petit scotch. Je vais passer plusieurs fois déjà pour vous voir. Déjà, ça va, ça passe bien. Yeah. Alors, je vais poser ma bouche. Sans que je coupe du. Un petit morceau, je vais pas les jeter. Ça peut me servir pour autre chose. Là, si je peux les jeter, par contre, ma petite brosse, elle est là. Bon, déjà, ça a l'air de bien se découper. Maintenant, on va voir. Allez, viens là, toi. Si j'arrive à bien récupérer. Alors, je vais en découper. Alors, je me suis fait une boîte avec toutes mes chutes de papier parce que j'en avais marre, vous voyez. Là. Chaque fois, j'entame de nouveaux papiers. Oh là, attendez, vous tombez. Voilà, pardon. Et du coup, j'ai fait mes chutes. Voilà. Pour faire une épaisseur. J'ai en coupé deux ou trois, je pense que ça ira. Le dies, il est là. Il fait chaud dans la pièce. C'est bon. Ah, j'ai laissé mon. Ah, je suis électrique, les papiers viennent sur moi. On va d'abord c'est coller les trois blancs, voilà. Je
comme ça, ça nous fait une petite épaisseur. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on peut en mettre plus, hein, si vous voulez encore. Et maintenant, on va coller celui-là. Donc, on va voir si ça décolle bien. Oui. Alors, se décoller, ça va. Maintenant, coller. Ne semble pas avoir la tremblotte. Voilà. Je vais vous mettre la carte devant pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais choisir un fond de carte. Je vais regarder dans mes chutes si j'ai ce qu'il me faut d'abord. Je vais voir. Alors, je l'avais préparé, je cherchais ma trancheuse. Alors, en sachant que les cartes font 15. Premier avec 14,5, on va mettre tout de suite dans les chutes, comme ça. Celui-là viendra là. Alors 14,5, donc maintenant je vais faire 14, je recouperai si ça va pas. Je vais mettre ma boîte à chute, ça ira mieux.
là je suis à 13,5. Mon petit love. Ensuite, je vais peut-être me servir des carrés que j'ai. Voilà. Et j'ai bien fait de les garder. Je vais m'en servir. Le petit n'est pas tout à fait droit, donc c'est pour ça que bon, je verrai après. Bon, je vais déjà coller mes cartes. Alors, je mets tout en 3D. Ça va être une carte assez facile et rapide. Continue. Pour l'instant, vous voyez. Et là, on collera en dernier sur celle-ci.
une idée. On va voir si ça fonctionne. On va voir. Je sais que ce dice il est pas top top top, mais on va tenter. On va tenter. Est-ce que ça marche ou pas? C'est une calamité ce dice. Parce que je sais que j'ai toujours eu des problèmes avec ce dice. Donc on va essayer. Ce qu'il arrive à sortir, c'est la protection. Alors, on va essayer de ne pas le déchirer. Je l'ai eu. Là, je vais essayer de sortir sur du papier. Est-ce que j'ai un fond? Je sais pas pourquoi ce dice me fait ça. Mais j'ai déjà tout essayé. Je perds un temps fou, j'aurais pas dû le choisir. Il va partir à la poubelle ce dice parce que ah, voilà, je crois que j'arrivais à avoir une partie. Non, il se déchire. Bon, soit ça vient. Je vais coller ce que j'ai fait directement sur la carte, ce sera plus simple.
peut pas faire autrement. Donc, le love. Le petit love. Ça, mes petits carrés. Je vais les mettre en 3D. Je sais pas si vous entendez, je suis en haut. Mais on entend mes oiseaux d'ici. Voilà. Et je vais faire un petit cœur ou un petit papillon. Les cœurs, je n'aime pas des grands, hein, ça m'embête. Je vais faire un papillon. Lequel? Ah, celui-là, j'aime bien. Alors, on va faire un papillon toujours dans le marbre. Allez, c'est tout qui s'enlève de mes doigts. Voilà, le petit papillon en marbre. Et maintenant, je vais en couper en papier, un en papier pour le... pour lui donner plus de tenue. Oh là 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 là, ça colle. Voilà.
Voilà. Comme ça. Bon, puis je vais le coller après. Je vais coller la dernière page sur ma carte. Donc toujours en mode pupitre, hein, moi je fais. Vérifie, je suis dans le bon sens. Et on va coller. Donc toujours bien droit. Rajouter mon petit papillon. Donc le petit papillon, est-ce que je le colle ou est-ce que je mets du double face? Je pense que je vais plutôt mettre du double face, c'est mieux. Un petit peu trop long. Et on va l'agrémenter avec des petites perles. Hop. Alors, est-ce que j'en colle des petites perles roses? Plus beaucoup. Il faudrait que j'aille voir dans ma réserve. J'ai perdu ma perle. Mince. Est-ce que j'en ai encore une? Oui. Je chercherai après.
Ah, mon petit cœur, il ne colle pas. Mince. On va lui mettre un petit peu de colle. Pourquoi tu veux pas coller? Il veut pas. Non. Zut. Par contre, sur mes doigts, oui. C'est rien, on va mettre de l'autre une colle plus forte. Voilà. On va le laisser coller. Hein. Là, par contre, elle bouge. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah, non, mais on va pas se laisser faire. Là, j'en ai plus que deux roses. On n'a plus que deux roses. Et voilà. Donc, ben écoutez, moi j'aime bien ce papier stickers. Il a l'air de bien aller, sans souci. Ben, du coup, j'ai mis simple. Là, j'ai fait des épaisseurs, là aussi. Le papillon, je n'ai juste fait qu'une seule épaisseur pour lui donner de la tenue. Je n'ai pas trop chargé parce que bon, bah, je n'ai pas voulu trop charger. J'ai une perle qui ne veut pas encore tenir. Ça m'énerve. Voilà. Bon, allez, je vous remonte. Hop là, coucou, je suis là. Donc voilà, ma petite carte d'aujourd'hui. Toute brillante. Donc avec le papier marbre, je vous remontre. Hop, avec celui-ci. Donc c'est de chez Action. Hein. J'aime bien, voilà. Elle est toute simple, mais mignonne. Bon, je vais bien laisser tout sécher maintenant parce que les petits fils de colle, ça y est, je vais les enlever. Voilà, donc en
pupitre, hein, comme d'habitude je fais. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein, le but aujourd'hui, c'était surtout de voir si ce papier sticker, ce marbre, fonctionnait bien. Bon, pour l'instant, ça va. J'espère que ça ne va pas se décoller. Et je vais voir si ça ne se décolle pas. Surtout, je pense pas. Là, ça a l'air de bien tenir. Donc voilà, et ben écoutez, on se sera fait une petite vidéo aujourd'hui, une petite heure quand même, hein. Mais bon, de toute façon, au montage, ça va réduire un peu, hein, parce que je vous fais des parties rapides. Bon, ben celui-là, je crois qu'il va partir à la poubelle, hein, parce que j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, c'est pas la peine, j'insiste pas. J'ai tout essayé, hein, même ce que vous m'avez dit, la lingette, j'ai tout essayé, pourtant déjà, rien n'est fait. Donc tant pis. Je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous remets à la fin en photo comme d'habitude la carte. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.